Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc, ces lampes, je les ai reçues dans le gros colis d'ampoule 110 volts. Et je voulais faire une vidéo à part sur ces lampes parce que c'est des lampes qui sont plutôt spécifiques. Voilà, donc commençons. Donc, c'est les premières lampes anti-moustiques. Voilà, donc ça date des années 50, 60. Donc je vais vous montrer une ampoule. Donc là c'est où c'est plutôt lisible. Voilà, là. Donc vous pouvez faire pause pour lire. Donc là je crois que c'est écrit en français. Ouais. Allez, focus. C'est pas trop lisible, mais ça va. Enfin bon, voilà. Donc fumigateur électrique. Vulcan. Donc là on peut voir de la fumée qui sort du côté de l'ampoule. Donc sur d'autres trucs on le voit mieux. Là on le voit mieux. Voilà. Et on peut voir des insectes. Voilà. 220 volts 40 watts, Vulcan. Voilà, donc ça c'est la boîte qui est en meilleur état. Celle-ci elle est nickel, elle a presque rien. Plutôt rare. Donc c'est des lampes qui restent assez rares à trouver. Hein. Ça on trouve pas tous les jours. Donc là il y en a une autre, voilà. Hein. Comme il y a trois ampoules, il y a trois recharges. Le focus. Voilà. Donc il y a trois recharges. Et trois ampoules. Voilà. Donc, on va regarder celle-ci. Donc je l'ai déjà sortie. Ici on a l'ampoule. Donc là on a une languette à retirer avant l'usage. Avant l'usage, ouais. Avec un point d'exclamation et tout. Donc c'est écrit à la machine à écrire. Alors, donc Vulcan. Je n'arrive pas trop à lire. Germanie. 40 watts. 220 volts. Donc la gravure, elle est juste ici. Hein. Le focus, ouais, il va pas se faire. Si, peut-être. Voilà, donc là, on peut apercevoir la gravure. 220 volts. Voilà. Donc l'ampoule BN2. Donc la lampe, elle doit être placée à la verticale. Pas. Enfin, ouais, comme ça. Pas comme ça. Culot vers le haut. Pas culot vers le bas. Voilà. Donc BN2. Donc là, il y a des trous dans l'ampoule pour que la fumée, elle puisse sortir. Donc de chaque côté, il y a un trou. Et pour pouvoir y insérer les pastilles. Et les pastilles, c'est ça. Voilà. Donc c'est ne pas avaler. C'est tenir hors de portée des enfants. Donc là, il y a des boîtes qui sont en meilleur état. Alors, dangereux. Donc, Vulcazone. Voilà. Il y a les composants aussi. Composition. Allez, le focus. Non. Toujours pas. Chiant. Je sais pas s'il va le faire. Allez. Voilà, là on peut voir les ingrédients. Hop, et ensuite, à l'intérieur, on a un tube avec des pastilles. Voilà, donc c'est des pastilles. Voilà, hop, donc plutôt stylé, donc c'est pas dangereux au contact de la peau. Mais bon, je sais pas si c'est si c'est encore potable. Voilà, je sais pas si les pastilles elles sont encore bonnes. Donc les ampoules, je ne vais pas les allumer parce qu'il y a une languette qui a retiré. Et j'ai pas envie d'essayer. Voilà, comme c'est assez vieux, bah, ça risque plus de fonctionner correctement. Donc Vulcazone, 15 fumigating tablettes, comprimé pour fumigation. Voilà, donc dans un tube en verre hein, et tout. C'est vraiment propre. À l'époque, ils savaient bien faire les choses. De nos jours, ce tube, il serait en plastique. Avec un bouchon en plastique. Là, on a vraiment encore un bouchon liège et tout. Ça c'est vraiment cool. J'adore les vieux trucs. Hop. Donc après on a aussi le mode d'emploi qui est dans la boîte de l'ampoule. Hop, donc vous pouvez faire pause pour lire. Voilà, mode d'emploi. Voilà. Hop, donc c'est plutôt intéressant à lire comme information. Enfin bon, voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette
petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!